Hello, bonjour, bonsoir, mè mwen se Wan Hippolyte. Pou moun ki pa konen mwen deja, jodi a m vle pon ti tan pou m ka pale avèk nou sou kelke ide ki ka kreye biznis an Haiti. Kwen ke nèpò jen Haitien, sou nèpò Haitien kapab itilize li, nèpò kode la viv lan, pou li kreye travay an Haiti pou pepl la ka soti nan mizè. Avan ke m pale de bay sa yo, gen 3 ti poin mwen te amè fè. Premier, c'est que ça, c'est reconnaître que ça a une opportunité. Pour créer un business, il faut consacrer les opportunités. Deuxième barre là, c'est que ça, reconnaître comment pour prendre un risque. Ou pas cas où vous avez besoin sans risque. Tout ça va faire, il y a un risque là-dedans. Troisième petit point, c'est le temps. Faut comprendre que le temps, c'est un gros facteur dans ce affaire. Puis, tout en que vous avez la plus bonne, c'est plus que vous-même, vous parlez de jouer bagaille ça. C'est en base pour créer plus de richesse pour vous en avenir qu'à venir. Ce n'est pas là où vous avez ou gagné 50 ans ou dit, je retire que je n'ai pas travaillé encore. Ce n'est pas là ça vous décidez pour créer un business. Il faut que vous créez un business depuis le jeune pour jouer un business. Ça fait que vous décidez de mettre l'idée ça dehors. En parlant de ça, pour les jeunes haïtiens qui travaillent partout dans le monde, ça va vivre à Haïti et tout. Capable de commencer à créer un business bonnet, non façon que plus car riche avant que mourir, c'est pas là que vous faites un grand monde pour créer un business. Non, première idée de business, c'est que ça lié. C'est faire crème. Crème pour moun boire, crème pour moun manger. Ouais. Ah, ici, c'est un pays qui est chaud lié. Souvent, on gros commerce crème, quand vous crème en gros, quand vous avez vendu en détail avec des machins, ah ben, vous avez fait quoi? Parce que c'est un pays qui est chaud en pile, ou pas qu'à perdre comme ça. Deuxième idée, c'est qui ça? L'obgade Port-au-Prince, l'obgade Copéia, son côté, où tu vas tellement gros, toujours un blocus. Mais c'est ça, gros problème de circulation. Ou même comme un jeune haïtien, ou son haïtien qui est cob, ou capable de faire ça créer les bécanes mentales là. Ou quand on fait quelques places, que vous louez bécanes. Ma preuve, vous louez bécanes en gros. Ou quand on 250 bécanes, ou mettez là, ou gen bureau, tout le monde sait, élève yon vini, yon loue bécane en amont pour une semaine, avec carte d'identité, connaît que yon assure ou gen bagay que yon écrit, contrat que yon écrit, que si bécane a perdu, que yon a pour mettre et puis, ou a pour bécane, dans ce sens, ça a diminué avec trafic qui est dans la ria tout, dans le blocus là. Troisième point, c'est même pas l'école là. Haïti plein l'école, mais pas gen manger pour battre yon. Si vous allez à l'école, vous avez la poche, vous n'avez pas qu'à manger, vous n'avez pas qu'à de l'eau pour boire. Ça, c'est qu'on même des Haïti. Mais c'est qui ça lié? Comment un jeune Haïtien est capable d'entrer en contact avec le directeur de l'école ou vers la cafétéria dans l'école là, pour les questions contrat liées, ou vers la cafétéria dans l'école là? Si vous avez cob, il vient manger, ou même vous faites une touche de base, chaque mois, ou soit en année, ou payer l'école à un pourcentage. Les cob sont faits à travers la cafétéria. Quatrième idée, c'est qui ça lié? C'est en pile en production agricole, ou soit mass production, dans œufs, dans poules, dans codennes, dans canards, ou soit dans oranges, dans quenelles, dans toute bagarre là depuis que c'est un produit agricole. Je vais poser un exemple avant tout petit. L'objet est juste ça. Est-ce que les gens qui font juste ça sont des pauvres? Est-ce que les familles sont des pauvres? Si ma réponse est non. Si vous avez deux bagages, ça, vous avez des oranges et tout, vous avez des raisins. Les gens qui font ça, ils ne font pas de ça, ils ne sont pas pauvres. Si ma famille a commencé à faire business ça longtemps, et tout, génération en génération, business va venir dans la famille. C'est richesse que nous avons produit pour la famille. Et génération qui a venu pour ne pas arrêter dans la misère. C'est même gens ou même tout, ou qui a créé des bases sur la caille, ou qui a créé l'autre bagaille, qui c'est usine pour faire jus, ou qui a fait utiliser même un 20 carottes, ou ça yon 200 carottes, tant que en jus seulement. Avec tout ce qu'on a, il faut qu'on a fait jus. Il faut vendre en détail. Tout ça, c'est richesse pour capable gagner.
Ou ka di konen pa jwenn tè sa yo. Men gen pil pason ka jwenn tè ya. Paran ka jwenn tè. Gouvernement ka bo aksè avèk kelke tè. Yon zanmen ou ka jwenn tè ya ki disponib ki la pou fè bagay sa yo. Men fò kote rekonèt ke gen nesesite pou bagay la. Fò te konen ke son opotinite liye sou fè sa wap fè la jan avèl. Sè ti de sa mwen gen pou nan pwemye videyo a. Kwen ke mwen mete yo disponib pou menm jwenn ayisyen a. Pour commencer à faire business bonnet, pour créer richesse pour tête, pour famille, pour pays à développer. Et aujourd'hui, nous avons dit Haïti, c'est un gros pays lié, c'est un pays qui est riche. J'aimerais dire dans le commencement, pauvreté, c'est un bail que nous-mêmes nous créons. Richesse à tout, c'est un bail que nous avons créé. Nous ouvrons le job, nous reconnaissons à créer une opportunité, que nous avons transformé l'opportunité avec un. L'argent. C'est non. Point ça, moi, t'es venu avec nous. Moi, j'espère que l'autre jeune qui a fait une vidéo, connaît que lui-même, il a mis un bail de yo, pour le peuple-là, qui a appris de lui-même, et pour qu'il y ait des pays à développer. Merci en pile. Encore, non, moi, c'est Wani Polit. J'espère que vous aimez la vidéo. Bye.